Bon, 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 bon. est-ce que le direct fonctionne encore une fois? J'espère que oui. C'est marqué direct. Si, c'est-tu marqué direct sur Facebook? Je pense que oui. On va aller voir ça là-dessus. Je pense que ça vient de partir. Oui! Donc là, euh, je vais plutôt vous parler euh, du jeu de... Euh, dans les démos de type de jeu que les personnes voudraient avoir avec un paiement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des démos jeux qui peuvent se faire comme banquier, bingo, mais il faut que les gens payent pour être là il euh, y a des cadeaux qui sont remis. Cadeau bingo, euh, démo bingo, euh, les euh, gens... Ce pas tout le monde qui gagne nécessairement. Il y a des cadeaux déterminés selon le nombre de personnes qu'on va donner dans la soirée. Mais comme on ne sait pas, euh, c'est du hasard qui gagne quoi, bien, on va euh, avoir un nombre de cadeaux à remettre. Et voilà, c'est fait. Donc, ce n'est pas tout le monde qui gagne. Pour le démo, la démo banquier, tout le monde gagne quelque chose. Donc, il euh, euh, y a ces deux modèles différents. Là où on va aller... Je vous rappelle que l'objectif est toujours de quand même faire des ventes, de faire des sous avec ça. Donc, euh, là, je vais aller sur le groupe formation parce que je veux vous montrer. Euh, je veux m'assurer que vous savez où aller euh, faire référence euh, au document complet quand on parle de quelque chose. Donc, euh, dans le groupe formation Outils les aurores si tu n'es pas encore là, tu peux demander à rejoindre le groupe. Euh, dans la section guide, ici, tu vois là. Dans la section guide, il y a tout plein de guides. Fait que là, nous, on va descendre jusqu'au guide numéro 11, je crois que c'est le guide numéro 11 pour euh, les parties. Donc, euh, voilà. Donc, les programmes pour au test. On parlait de plus, de, de plein de choses tantôt. Là. Euh, le programme pour au le contenu de la pochette, comment lier euh, la commande à la présentation, les thermomètres euh, d'objectifs comment maximiser ses commandes, les cadeaux, c'est où, c'est quoi, les 50 Donc, c'est vraiment dans le guide numéro 11 que vous allez l'avoir. Dans le guide numéro 12, là, on voit euh, des types de euh, démos. Là, on parlait plus de ça tantôt. Partez dans le sac, euh, là, la structure d'une démo pour un, un vrai un vrai qu'est-ce qu'on apporte en, en présentiel quand on va dans une démo? Euh, c'est quoi que ça nous prend? Parce que vous pouvez maximiser tout ça. Apportez pas le catalogue au complet. Apportez pas trop de stock. déballé tranquillement. Euh, Tirez vos choses pour que ça... Je dis tranquillement, mais déménagez les choses pour que quand vous vous ce c'est pas lourd à faire que vous pouvez le faire en jasant avec votre hôtesse et que quand vous remballez, ça vous prenne pas euh, trois heures à remballer non plus. Donc, il euh, y a ces outils-là là-dedans. Euh, ensuite de ça, bien là, moi, j'avais le goût aussi euh, des jeux à faire en présentation dans le guide numéro 13. Il y a cela. Vous pouvez prendre différentes euh, feuilles de cases qui sont euh, dans des feuilles de poule juste ici. Puis, il y a des jeux aussi à euh, faire, des applications que vous pouvez utiliser vraiment dans. Euh, ce groupe formation-là, c'est important que vous l'utilisiez vraiment beaucoup, OK? Donc, le mois, euh, j'ai le goût de vous parler de la démo... Je vais juste arrêter le partage écran. Merci! De la démo bingo euh, pour hôtesse. Comment je fonctionne pour une démo bingo? Là, encore là, il y a un document avec PowerPoint qui est disponible pour euh, la démo bingo. En fait, c'est que... Euh, le nombre, les participants payent soit 20 ou 25 Là, Vous vraiment, vous entendez euh, avec votre hôtesse ou avec vous qu'est-ce que ça peut euh, être possible de faire. Euh, moi, j'y vais souvent avec 25 euh, Puis, dans le fond, le 25 c'est pour acheter les cadeaux. Mais moi, comme conseillère pour mon hôtesse, je vais calculer 25 du montant que je vais retirer parce qu'il faut se rappeler que les cadeaux, il les cadeaux, faut les payer. Mais si tu veux ta commission, tu ne peux pas investir 100 des sommes. Sinon, tu n'y arriveras pas parce que tu vas arriver avec une facture égale au montant que ça t'aura rapporté, puis tu n'auras pas fait de sous. Donc là, il faut que tu fasses 25 et tu le retires. Donc si tu ramasses, euh, mettons, 275, 300 dollars exemple, de cadeaux, d'argent, pour des cadeaux, ben, tu vas en acheter pour 225. Donc, ça, ce 225-là de cadeaux que tu vas acheter, tu vas le redonner à la soirée et c'est ce montant-là qui va compter pour ton no-test. C'est sûr que si. Euh, ton hôtesse, test, tu en vrai, en direct. Tu peux euh, soit avoir les produits en vrai parce que tu es là chez toi, puis recommander autre chose, ou soit juste lui dire que ça va être ça, la commande va être faite, ils vont recevoir leur cadeau plus tard avec des images, avec la brochure. Tu sais, il n'y a pas, quelqu'un qui en a chez eux peut le faire, mais quelqu'un qui en a pas, il y a moyen de moyenner aussi pour pouvoir le faire sans avoir les cadeaux. Donc, euh, pour un cadeau, euh, un party d'hôtesse bingo. En fait, euh, moi, je ne vais, euh, vais pas faire un, un party bingo euh, pour une hôtesse si elle n'a pas au moins une dizaine d'invités. Parce que euh, en bas de ça, ce n'est pas facile de donner des cadeaux qui ont de l'allure. Je vais vous montrer un peu mon, euh, euh, la fenêtre, mon PowerPoint. Que j'ai, il est sur le groupe Facebook, là, naturellement, de ça. Je vais juste vérifier pour être sûr que le partage d'écran fonctionne, vu que c'est une nouvelle plateforme. Ouais, c'est ça, ça fonctionne. Donc, comme ça ici, puis si je fais diaporama, vous allez le voir en plus gros, c'est bien ça. Oh, Christian a dit que ça bug. Pourquoi ça bug? Parce qu'il est moins dehors et que l'Internet est moins bon. Je ne sais pas. Donc, n'oubliez pas de m'écrire quelle heure vous avez vu cette capsule. -là. Donc, euh, euh, les, comme je dis, il faut que euh, vous, moi, dans une démo bingo, j'intègre quand même des recettes. On ne joue pas une tonne de tours. Là. Moi, je vais jouer comme trois, quatre tours dans une démo euh, bingo au test parce que je ne vais pas jouer sept tours, c'est trop long. Puis, je veux que. Euh, avoir le temps de parler de mes produits, de mes promos et de, euh, de faire une recette. Okay? Donc là, 15, à 15 personnes à 20 12 personnes à 25 ça fait pas mal les montants de moyenne de base qu'il faut avoir. Il euh, faut savoir que les personnes, quand ils ont fait l'achat d'une carte de bingo, ils vont racheter des fois des produits, mais souvent, ils ne s'attendent pas à avoir... Euh, tu sais, ils ne vont pas réinvestir nécessairement. Des fois, oui. Des fois, non. Euh, ça dépend vraiment des gagnes. Euh, mais il euh, faut vraiment vous vendre votre salade quand même comme si c'était une démo. Là, je vous passe les... les, les je n'expliquerai pas de fond en compte tout le procédé de comment moi, je vais le faire. Mais... Euh, je vous montre ici à l'écran. Puis, comme je vous dis, moi, je fais souvent quatre tours, trois, quatre tours, mais vraiment pas dépasser six tours parce que sinon, euh, vous allez avoir trop de cadeaux à donner. Euh, ça va être indiscipliné. Puis, vous allez avoir pas le temps de parler de vos produits. Si vous êtes là juste pour jouer au bingo, inévitablement, euh, vous parlerez pas de vos promotions, vous vendrez pas vos produits, puis vous recruterez pas, en tout cas, ou moins, ou la, 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 la soirée va vraiment s'étirer et être vraiment plus longue. Mais vous pouvez encore là euh, associer les cadeaux d'hôtesse pour votre euh, comme euh, un parté régulier. Donc là, si j'arrête ce partage d'écran là et que je vais vous chercher euh, l'autre pour le parté banquier, est-ce que je l'ai Je ne sais pas si je l'ai. Le parté des valises Mister. Mais c'est un peu le même principe. La seule chose c'est que dans le party des valises mystères, c'est tout le monde qui investit 20 dollars reçoit un cadeau de 20 dollars. Donc là vous devez user de votre imagination pour soit euh, comme des paquets surprises présentement, tu commandes des paquets surprise qui a 80 dollars mais qui coûtent 40, bien, tu peux faire 3, quatre cadeaux avec de plus de 20 dollars parce que la personne moi je lui redonne euh, le montant qu'elle a investi. Donc euh, si la personne a Payer 20 dollars pour participer, elle a un cadeau de 20 dollars minimum. Si la personne a payé 25 elle a un cadeau de 25 dollars minimum. Fait que là, je vais y aller des fois avec ce que j'ai, moi, euh, à la maison. Puis, je vais recommander, vu que les paquets à surprises, surprise, mettons, on ne sait pas euh, qu'est-ce qu'on a. Puis, dans un mois euh, où il y a ces affaires-là de disponibles, c'est encore plus facile de le faire parce que. Euh, tu sais, c'est rare qu'un paquet surprise va arriver avec un article à 80. Il y a plusieurs articles dedans. Donc, c'est là où ça peut se faire, c'est un roulement, un investissement dans votre entreprise que vous faites pour pouvoir le faire. Et là, je vous invite encore à faire des commandes sur votre site client pour pouvoir, euh, mettons que tu fais une commande banquier. Une commande euh, bingo parce que tu as une hôtesse bingo ou toi-même, tu peux être l'hôtesse d'un bingo. Ça peut être des bingo lignes. Tantôt, je vais vous parler des feuilles de case et des bingo lignes. Donc, euh, ça peut être ça aussi. Donc, vous faites chacun les commandes, puis à la fin, vous allez aller chercher un 500 de euh, Tupperware gratuit parce que vous, les, vous allez les avoir jumelés toute la gang. Avec un banquier, exemple, à 20 personnes à 20 ça peut donner 400 Fait que ça va chercher une belle partie. Si vous faites un bingo euh, puis que vous êtes l'hôtesse, vous dites cadeau hôtesse mystère, bien selon les ventes de la soirée, mais là vous allez pouvoir jumeler avec quand même votre cadeau, avec votre autre démo et aller chercher des cadeaux de plus. Et euh, imaginez que la personne qui fait euh, la démo dans le sac, elle vous ramène un 250 aussi. Donc là, tu sais, c'est là où euh, vous pouvez jouer avec vos cadeaux. Là, je vous entends déjà me dire, ah oui, mais là, tu sais, si tout le monde prend un cadeau, merci, je pas tous les cadeaux. Tu sais, vous pouvez juste dire, c'est un cadeau, merci, puis ils ne choisissent pas. Fait que vous prenez ce que vous voulez dans votre cadeau, merci. Tandis que ça a une valeur de 20-25 parce que c'est ça, un cadeau, merci. Ça a 20-25 de valeur. Puis, euh, ça se peut aussi que les personnes vous disent, « Tu as le choix entre un cadeau de ça gratuitement ou un cadeau avec copaiement, puisque vous allez avoir, là, dans l'occasion, le plat ultra-peau avec un, ultra, un copaiement et euh, les gardes d'ingrédients avec un copaiement. » Les copaiements, vous pouvez les charger à la personne. Il y a beaucoup... Moi, je vous parle de tout ça aujourd'hui pour essayer de vous donner des idées, mais vous pouvez juste vous en inspirer, puis partir avec ça dans votre sac à dos, puis juste faire euh, aussi selon votre imagination ce que vous êtes capable de faire, OK? C'est juste comme important que vous mettiez les règles claires avec votre client, avec votre hôtesse au départ, puis ça va le faire, là, ça va vraiment bien aller. Donc là, la prochaine petite capsule, il reste feuille de case, LinkedIn, de bingo. Puis après ça, on passe à un autre sujet.